on ne pourra jamais, à mon humble avis, faire mieux que cette moto sur MX Test. Oui, parce que c'est sans doute la moto le Graal. La plus rare, la plus chère, la plus exclusive, la plus factory. Là, on est quand même dans le... C'est même plus de la rareté, là. Moi, c'est l'épisode que je rêvais pour MX Test. Vraiment. Parce que, si tu veux, ma carrière moto a commencé en 86. J'ai acheté une 80 CR de 1986. Cette année-là, mon père m'a emmené sur le Grand Prix de Suisse, si tu veux. C'était à Vologne. Et c'était la finale. Et si tu veux, il y avait une bagarre Gebhardt, Malherbe, Torp. Ils sont tous arrivés de l'année Grand Prix. Et qui allait être champion? Et donc, les trois pilotes du HRC. Et donc, c'est Dave Torp qui a gagné cette année-là. 1986, c'était évidemment, tu sais, les premiers Bercy de malade. Ça commence en 83, mais en 86, c'était Bellet qui gagne. 1986, pour moi, il y avait Majura également. Tu te rappelles? Où les Américains ont gagné, ils ont fait 1, 2 et 3. Alors, moi, j'avais 4 ans. Ouais, c'était... Oui, mais tu as connu. Encore aujourd'hui, quand tu vas au Grand Prix, les motos sont alignées. 86, c'était une année de fou. C'est là où je suis tombé amoureux du motocross. Et évidemment, je suis tombé amoureux de certains pilotes, mais surtout d'une machine d'exception. Lettre HRC. Alors pour beaucoup, il s'agit de la seule, de l'unique, de la vraie moto d'usine. Ouais, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Alors tout simplement parce que si tu veux, une moto d'usine, c'est que tu prends une moto de série et tu l'améliores. Mais genre, tu l'améliores d'une façon que personne d'autre peut le faire parce que c'est les ingénieurs qui l'ont fait ces pièces-là. Tu peux pas les trouver dans le commerce. Contrairement à aujourd'hui où tu peux te monter quasiment une moto, par exemple pro circuit. De A à Z, c'est exactement la même et tout est achetable. À l'époque, ça ne s'achetait pas. Mais si tu veux, les pilotes usine, ils avaient des têtes fourches, ils avaient un bras oscillant, ils avaient un moteur amélioré. Mais il y avait quand même encore beaucoup de pièces d'origine. Et à partir de 1987, la loi américaine a dit « Production rule, vous devez rouler avec un maximum de pièces d'origine, le bras oscillant, le cadre, les plastiques, les carters. » Donc si tu veux, ça a été terminé. Ça a été des motos d'origine améliorées. Améliorées. Mais le HRC de 84 à 86 ont sorti une moto où aucune pièce. Quand je dis aucune pièce, c'est aucune pièce. Tu m'as dit juste le guidon peut-être. Ah oui, mais c'était pas Honda. Ah oui. Exactement. Aucune pièce n'existait. Ni le plastique, ni la pédale de frein, ni les carters. Tout était fait sur mesure au Japon, dans les ateliers du HRC Honda Racing Corporation. Donc cette moto, elle s'appelait la 500 RCM. Elle a été utilisée par 3 ou 4 pilotes aux États-Unis et par 3 pilotes en Europe, qui étaient donc Eric Gebhardt, André Malherbe et Dave Torp. Cette moto, elle a tout gagné, parce qu'elle a gagné avec Malherbe, si tu veux, en 84. Elle a gagné avec Torp en 85 et en 86. Donc elle est invaincue, elle le restera parce qu'elle a été arrêtée fin 86. C'est ce modèle-là qu'on vous présente. Alors cette moto précise, Pierry, il y a des centaines, des milliers de personnes qui l'ont vue parce qu'elle a appartenu à un grand pilote. Oui, Dave Torp, le géant anglais, si tu veux, avec son numéro 1, parce qu'il a gagné en 85, donc en 86, il a le numéro 1 de champion du monde 500, qui était l'équivalent du MXGP d'aujourd'hui. Hein. C'était les gros bras, la catégorie reine, le 2000 litres. Donc ça fait quand même tout bizarre de voir cette moto et de se dire que c'est vraiment celle-là précisément qu'on voit sur ces photos, qu'on voit sur ces vidéos, qu'on a vu pendant des années. Exactement. En France, c'est bien vu, dans le monde, il y en a 3. Il y en a une qui a été refaite avec des pièces et je crois qu'il y en a 2. Et là, on était sur une des deux motos.
Et tiens, pour l'anecdote, il y a un Français qui s'en est fabriqué une quand même. Ah oui ? Alors, il s'est fabriqué entièrement, pièce par pièce. Donc, ce n'est pas une moto d'usine, mais elle ressemble beaucoup. Et quel plaisir ! On est d'accord que pour arriver à faire ça, tu t'imagines à quel point cette moto a déchaîné les passions. Oui, c'est assez fou. Mais déjà, Raphaël Sauze, au premier look, on a commencé par la séance photo. Comment elle est ? Alors, j'ai un double sentiment en regardant cette moto. Mmh. Si je la regarde de loin, je sens immédiatement le poids des années. Parce que tu vois les lignes qui sont beaucoup plus rondes que ce qui se fait maintenant. Il y a quand même un côté vintage qui est évident. Par contre, plus tu te rapproches et plus tu prends une claque énorme. C'est-à-dire que là où d'habitude, sur ces années-là, tu vois du refroidissement à air, tu vois un radiateur. Là où d'habitude, tu vois des freins à tambour, tu vois des freins à disque. Pire encore, embrayage hydraulique. On est en 1986. Enfin, c'est du délire. Quand tu mets ce qu'il y a en face dans ces années-là, mais c'est juste de la triche, quoi. Exactement. Moi, je trouve qu'elle fait quand même très moderne, mais c'est vrai que tu as raison. Si on mettait une autre moto du championnat à côté, non mais on dirait que ce n'est pas la même catégorie. Mais il suffit de regarder le test qu'on avait fait de la Yamaha, la 490 qui était de 82. En 86, elles étaient plus ou moins comme celles qu'on a fait de 82. Ben c'est ce qui s'est passé avec Håkan Carlqvist, le géant suédois, qui lui avait une 490 Yamaha à air et il regardait à côté de lui, les mecs se mettent à côté sur la grille avec cette moto-là. Non mais t'imagines comme tu dois te sentir arnaqué là ? Exactement, et c'est pour ça que Yamaha ont fait la YZM 500 qu'on a essayé également sur la chaîne. Hein. Vous regarderez donc l'épisode, vous remet le lien. C'était en quelle année ça, la YZM 500 ? 87-88. D'accord, ok. Donc il s'est tapé jusqu'en 86 la vieille tripe qu'on a essayé, la saucisse. Mais c'est ça, il en disait autant. Hein. On connaît tous les anecdotes où il l'a enterré dans le sable en disant aux Japonais que c'était une merde. Qui ne voulait plus entendre parler de sa moto, et si tu veux, il galérait, et tous les autres galéraient, les KTM, les Yamaha, les Kawa, enfin, je veux dire, c'était pas au niveau de cette œuvre d'art. Et moi, j'ai eu la chance, si tu veux, de travailler un hiver avec David Villemain, dont le coach était David Bellet. Ouais. Donc, c'est la première chose que je lui ai demandé, moi, mais David, comment allait cette moto ? Clairement, il m'a dit, elle était folle, c'est la meilleure moto qu'il ait jamais utilisée. Elle était maniable, elle était puissante, elle était douce. Elle avait un châssis de fou, des suspensions de dingue, des freins de dingue. Il a dit, c'est la moto ultime. Donc, il me l'a bien confirmé, qu'il avait bien le seum de reprendre ensuite, si tu veux, une moto production rule. Donc, on le voit, hein, au niveau des solutions techniques trouvées, on est plus qu'avant-gardiste, hein, puisque embrayage hydraulique, freins à disque, etc. Mais je trouve aussi que dans les matériaux, ça se ressent. Ah, la fourche entièrement en magnésium. Non, mais c'est fou! Entièrement en magnésium. Donc, c'est dingue. Tous les carters sont en magnésium, tous les boulons sont en titane, les moyeux sont en magnésium, la fourche entière est en magnésium. Tu l'as pesé, toi. Combien de motos, depuis MX Test, tu as mis sur un trépied ? Beaucoup. À peu près 500. Oh oui. Et tu vois la différence, toi, rapidement, avec une 2.4 temps, une 4.5 moderne. Eh oui. Tu as également monté des vintage. On a fait tous les épisodes. C'est con, hein, mais son biceps droit, Raphaël Sauze. Biceps, c'est là, hein, l'explication. Ah, mais c'est mieux que la FIM, hein, toi. Ah, bah là, tu prends la moto, et là, elle pèse. Ah, ouais, c'est impressionnant. Rien. C'est impressionnant. Un vélo. Alors, tu parles de la fourche en magnésium. Il y a du titane aussi qui se balade à droite à gauche, j'ai vu ça. Franchement, c'est vraiment surprenant, encore une fois, pour l'époque. Je pense que si tu enlèves tous les plastiques qui trahissent son âge par le design, si tu la vois nue, cette moto, je pense que c'est moto moderne, quoi. Ouais. À part le cadre, évidemment. Pour être monté dessus, si tu veux, c'est une machine, dès que tu, à part le guidon, qui est un peu cintré, tu vois, de l'époque, franchement, c'est comme tu montes sur une 125e de 2023. C'est le même gabarit, la même hauteur, elle est aussi fine, c'est dingue. Franchement, c'était limite pas honnête. Si tu veux, quand les mecs du HRC se présentaient à une course, pas la même moto. Non, mais par rapport, je me rappelle de... Ils ont fait 1, 2, 3. Hein. Je me rappelle de la 490 qu'on a essayé, de la Yamaha, mais c'était un autre sport, quoi. Ouais, c'était autre chose. Bah, le bruit, rien que le bruit de la Yamaha, si tu veux. Le châssis, c'était pareil. Donc là, pour revenir un petit peu en détail sur cette machine, on avait des pneus Pirelli, la fourche en magnésium, donc traditionnelle encore. Si tu veux, ils essaieront une inversée peu de temps après. Donc, c'est arrivé, si tu veux, surtout pour le Supercross aux États-Unis. En Europe, ils gardaient cette fourche traditionnelle. Tête fourche, évidemment, rien à voir. Au niveau des radiateurs, il y en a trois, tu as vu ? Ouais. Il y a un radiateur à gauche et il y a deux radiateurs soudés à droite. Donc là, refroidissement énorme pour ce bloc 500.
Ce bloc 500, qui est marrant parce qu'ils ont voulu mettre toutes les masses le plus bas possible. Et donc, du coup, ils ont fait descendre les réservoirs autour du moteur, avec la place pour le kick. Et tu vas me dire, mais comment remonter l'essence? Ils ont mis une petite pompe à essence, si tu veux, pour remonter l'essence. Voilà, c'était vraiment la recherche de... Tu te rappelles des motos de l'époque? Le gros réservoir au-dessus? Ouais, l'inverse. Là, l'inverse. Réservoir hyper fin qui vient descendre autour du kick. La petite pompe à essence, enfin, le truc génial, quoi. Ouais, là, tu sens que la moto, elle est réfléchie dans ses moindres détails. Les moindres matériaux qui sont choisis, les... Enfin, l'amortisseur Showa, t'as vu? Ouais. Le cône qui descend, évidemment tout taillé dans la masse, c'est somptueux. On parle même pas du brossillant. Le brossillant, je pense que tu peux le mettre dans la cuisine, c'est une œuvre d'art. Hein. Ouais, magnifique. C'est vraiment incroyable. Le petit sélecteur qui est resté quasiment le même jusqu'à l'époque de McGrath en 1996, tu sais, en acier, comme ça quand il tord, tu peux le détendre pendant la course pour ne pas abandonner, avec le petit bout en caoutchouc pour éviter de rater la vitesse. J'adore aussi le bloc noir avec les boulons en titane, tu sais, blancs qui ressortent, ça c'est somptueux. La seule chose qui est vieillissante un peu, ce serait les cale-pieds. Oui, les cale-pieds. Tu sais, la largeur. La largeur, oui, complètement. Ouais. Par contre, quand tu les as... Tu as vu, la moto est neuve, hein. Quand tu les fais fonctionner, le ressort, il est tendu. Le cale-pied revient, mais net d'un seul coup. Il remonte bien sur le côté. Non, mais c'est... Moi, ma pièce préférée, je pense que c'était l'ensemble du frein arrière. Donc, tu as la pédale de frein taillée dans la masse, tu sais qu'elle est somptueuse. Ensuite, toute la durite, tu sais qu'elle est freinée au petit filet pour pas qu'elle se défasse, qui est scotchée à certains endroits. Tu sais, ça fait très usine. Et alors, l'étrier de frein arrière est magique. Les protections en plastique avec les écopes pour le refroidissement. Le disque arrière, donc on est en 86. Cet ensemble, il est magique. Les mecs, je pense que les spectateurs qui venaient sur les Grands Prix, parce qu'on pouvait voir les motos à l'époque, tu sais, elles étaient sous l'auvent, tu pouvais les approcher, presque les toucher. Je pense que quand ils regardaient leur moto et qu'ils regardaient ça, ils devaient se dire, on ne fait pas de même souvent. Carbu. Ah ouais. C'est quoi? C'est tout usine, ça, le carbu. Ah oui, tout, il n'y a rien d'origine. Tout est fait. Et t'as vu à quel point il est... Enfin, on dirait un carbu maintenant. Ouais, il n'a vraiment aucune différence. Hein. C'est fou, c'est pour ça que je me suis dit, mais c'est un 2022. C'est... Et c'est là où on voit que la moto, elle est même pas restaurée. On voit que la moto, elle est neuve. Parce que tous les tuyaux, tous les boulons, il n'y a pas eu un coup de clé. Enfin, tu sens qu'il y a eu le coup de clé pour le mettre. Ouais. Mais qu'il n'a jamais été redémonté, le boulon. Ouais, c'est vrai. Tous les tuyaux, t'as vu, ils sont neufs. Non, c'est incroyable l'état de. Enfin, l'état dans lequel est cette moto, c'est incroyable. Alors évidemment, vos chances de la voir rouler un jour sur circuit est proche de zéro. Ouais. C'est une moto, on l'a dit, qui est extrêmement rare puisqu'il ne reste plus que 3 exemplaires. Ouais. J'ai discuté un petit peu avec le propriétaire qui m'a dit que la dernière moto qui s'était vendue... aux États-Unis, je crois. Dans la Détroit, était aux alentours des 200 000 euros, il me semble. Ouais, c'est ça. Donc là, on est... Je veux dire, c'est encore autre chose que la YZM, quoi. Ah, tu vas te faire engueuler. Pourquoi? Ah bah, à force qu'on nous dise c'est des motos trop chères. Alors celle-là, elle est trop chère, elle est unique, elle est historique, là il y a tous les superlatifs. On ne pourra jamais, à mon humble avis, faire mieux que cette moto sur MX Test. Oui, parce que c'est sans doute la moto le Graal. La plus rare, la plus chère, la plus exclusive, la plus factory. Ouais. Et puis logiquement, ces motos, elles partaient sous presse, tu sais ça? Ah non, je savais pas. Une fois que l'année était terminée, la moto c'était un cube. Ah bon? Bah oui, pour pas que les autres prennent les cotes. Parce que si tu veux, le prix de cette moto, je me rappelle d'un moto crampon, tu sais, où ils avaient mis en double page la moto en 1986. Et ils avaient expliqué tous les petits détails et ils avaient expliqué qu'elle coûtait 1 million de francs. Et bah finalement, 1 million de francs aujourd'hui, tu sais ce que c'est, hein? Ouais. 150 000 euros. Et bah en fait, elle a pas décoté. Elle a même
pris un peu de valeur. Ouais. Mais il faut savoir que ce n'est pas vraiment le prix de la pédale de frein. En fait, c'est surtout le prix de quelle longueur, les études, comment la faire pour le la faire. Ouais. Exactement. Il n'y a pas d'antériorité. Là, aujourd'hui, tu prends une 2,5 SXF et tu vas essayer de copier certains trucs, tu vas regarder les cotes. Mais là, il n'y avait pas de cotes. Ils avaient comme vision la 490 Yamaha. Ah ouais, non, c'est le moule des motos de cross d'aujourd'hui, quoi. Exactement. Donc, si tu veux, il y a eu forcément une recherche. Tout a été essayé 20 fois. Quand j'étais avec David Villemain, tiens, revenons là-dessus. Une journée, il a quand même passé une matinée à essayer 7 leviers de frein avant différents. Mais je te parle d'une époque, on est en 2005. Donc, quand tu vois que les pilotes usine à cette époque-là, ont essayé 7 leviers de frein avant différents, tu t'imagines bien qu'en 86, Thorpe, il dit brossillant, il en a fait combien? Je pense qu'il a dû essayer à peu près 16 brossillants, si tu veux, pour donner le meilleur rapport traction, puissance, maniabilité. Tout était à faire. C'est comme si on te disait, tiens, tu vas créer cette machine pour faire ce sport qui n'existe pas. Donc, tu pars de quoi? Donc, si tu veux, les heures de recherche, quand tu vois le nombre d'heures de recherche aujourd'hui sur la moto de Geyser, tu t'imagines bien que sur celle-là, tu multiplies tout par 100. Hein. Ouais. Donc, c'est ce prix qui est incroyable. Et il ne s'était pas trompé. Elle a tout gagné. Aujourd'hui, elle est toujours aussi belle. Ce rouge, ce bleu, ça ne te rappelle pas quelque chose? 50e anniversaire Yamaha Honda. Ah oui. La moto qui est sortie cette année en mode 50e c'est anniversaire. Vrai. C'est vrai. Bah, c'est clairement celle-là. Hein. Alors, je lis déjà les commentaires, Pierrick. Oh, c'est dommage, on ne vous voit pas rouler avec dans la vidéo. Non. Tu sais pourquoi? Bah, parce que c'est impossible. Non. C'est juste parce qu'il manquait une pièce. Il manquait quoi? Le filtre. Ah, le filtre air. Mm-hmm. On a loupé la vidéo du siècle pour un filtre air. Ouais. Et le propriétaire a dit, je vous commande le filtre et on va faire rouler la moto. On va rouler avec? Logiquement. Alors par contre, évidemment... Non, si la vidéo fait des vues et qu'elle plaît. Ah ben, si personne ne regarde la vidéo, si tout le monde s'en fout, s'il n'y a que Eric Badenes et Jiwi qui regardent la vidéo, non, c'est clair qu'on ne la laissera pas. Mais si elle a du succès... Pourquoi pas? Bon alors, si vous voulez me voir arriver au freinage, perdre l'avant et faire un poc sur le pot usine, si vous voulez voir Pierrick en whip sur la plus grande table de je sais pas où, bah partagez, n'hésitez pas à partager notre travail sur le réseau, abonnez-vous, donnez-nous de la force et c'est comme ça qu'on va pouvoir faire ce genre de vidéo. Est-ce que on prend une assurance quand même pour faire la moto ou pas? Le jour où on roule avec la moto, est-ce qu'on prend une assurance ou pas? Moi, j'ai pas les moyens, hein. J'hypothèque pas ma maison pour lui donner un pot. Allô, chérie, je suis tombé. Et alors bah... J'ai plié le pot. Ah, bah, c'est pas grave, c'est combien un pot? 250 €? J'ai vu la facture de l'autre jour sur Depp. Non, c'est pas tout à fait le même pot. Bah, le problème, c'est que tu peux même pas retrouver les choses là. Ah, tu peux rien retrouver. Rien. Là, non, bah, après, là, tu glisses de l'avant, tu écrases le pot, tu prends le pot d'échappement, tu prends ta voiture, tu vas chez Depp en Angleterre, tu te mets à genoux. Et tu lui payes 3 000 € pour qu'il refasse le pot entièrement à l'identique, non? 3 000, t'es gentil, non? T'imagines cette moto, tout ce qu'elle a traversé, le nombre de propriétaires qu'elle a traversé. Nous, ouais. On a l'historique, mais les histoires sont folles. Des gens qui l'ont acheté, qui sont tombés manal, qui l'ont revendu, qui l'ont racheté. On attend de voir ce que donne la vidéo. Ouais, et puis on essaye d'organiser ça. Moi, je vois un circuit en Suisse, tu sais, en prairie, un peu old school, ou en Angleterre. Je veux pas un terrain de supercross pour cette moto. Ah, moi, j'aurais vu un terrain bien cassant avec des gros cailloux, tu vois. Oh, avec des silex, tu sais. Non, il faut vraiment un terrain qui ne l'abîme pas. Il faut un terrain qui ressemble aux endroits où elle roulait. Et il faut surtout prendre son temps. Il faut qu'on prenne le temps de faire les choses bien. Ça va être dingue. Je me languis d'entendre le bruit. Parce que n'oublie pas, j'étais à Vollen en 1986 et j'ai vu la moto remporter le titre mondial avec Thorpe. Donc, c'est. Enfin, pour moi, la boucle est bouclée. Et c'est con, hein, je suis ému, mais. La boucle est bouclée. J'ai commencé le cross avec celle-là et finalement, je finis un peu le cross avec MX Test parce que je ne crois pas qu'il y aura d'autres projets après MX Test. Je serai trop vieux, hélas. Donc, pour moi, la boucle est bouclée, c'est le Graal. Donc, merci au propriétaire qui se reconnaîtra de cette chance unique. Rien que de l'avoir et d'en parler, c'est top. Si on a la chance de rouler avec, grâce à vous d'ailleurs, bah, ça sera génial. Ah, j'ai hâte. Moi aussi.